pour les morts. Il y a la salle des fêtes, il sera peut-être pas privatisé, il sera peut-être un peu plus tempéré. Donc rendez-vous à la salle des fêtes pour la poursuite de cette commémoration. Merci. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris prenait la prison de la Bastille, symbole de tous les arbitraires, de toutes les oppressions et de toutes les iniquités. Cet événement annonçait la fin d'un régime, le régime monarchique absolu, et l'avènement de la monarchie constitutionnelle, puis la République, dont la devise devenue officielle en 1848 tient trois mots essentiels pour nous: liberté, égalité, fraternité. Pour fêter cette à nous tous et toutes d'alimenter et de faire vivre cette belle idée, celle de vivre ensemble dans notre République. Vive la France! C'est le micro au capitaine Cyril Le Sel, commandant le centre de secours de Stenay, et qui va nous présenter, et les collègues qui sont ici à côté de moi auront aussi bien sûr le plaisir de le remettre la distinction. Merci. Lieutenant, capitaine, major, l'adjudant. Voilà, donc ils reçoivent la distinction, c'est pas la distinction, c'est la reconnaissance du service départemental des incendies de secours et de la Meuse pour des fonctions de chef de centre. Donc à l'échelon or et argent. Voilà, félicitations. J'appelle M. Roskin Quanul Axel. J'appelle M. Wati Iban. J'appelle Mme Lano Lorine. Donc ils se voient attribuer la formation secouriste PSC1. Bravo à eux. Alors il n'est plus dans nos rangs, c'est un Stenaisien qui est parti à Charleville-Mézières. Il était détenteur du brevet national des jeunes sapeurs-pompiers, c'est M. Berkay Kanturk. Bravo. Alors une grosse pensée à Loïc Monchauffet qui ne peut être là pour des raisons médicales,
qui a également réussi sa formation d'équipier sapeur-pompier. Donc tout notre soutien pour qu'il, bon, excusez-moi l'expression, qu'il botte le cul à cette putain de maladie. Alors, un Stenésien, qui, je sais qu'il est là, Paul Lucive. Alors pour information, félicitations pour Paul. Et double félicitations, il attaque sa cinquième année de médecine, hein. C'est un futur médecin. Bravo. Au même titre que Thierry Dorian, qui est sur la faculté de Nancy également, et Pierre Michel, pour information, qui va intégrer le centre Pôle enfant de Brabois comme infirmier spécialisé. Et on a aussi Aubry Capucine qui nous quitte pour rejoindre le SAMU 08 en tant qu'infirmière secouriste dans les Ardennes. La mention se pourvoit également à Jessica Jacquard. Bravo. Alors c'est pareil, c'est une formation d'équipier sapeur-pompier. J'appelle monsieur Mathieu Le Seine. Donc je continue. Je rappelle encore, il est reparti. Mathieu Le Seine. Ah non, c'est pour sa formation. Alors, et ils ont passé une qualification technique qui leur. C'est un diplôme qualificatif. C'est pour l'entretien des casques F1 sapeurs-pompiers. Donc nos casques sont soumis à la réglementation. Donc il a fait la formation avec la société MSA France. Donc il a réussi. Également Thierry Dorian, qui n'est pas là aujourd'hui, a réussi sa formation également. Bravo. Alors il n'est pas là aujourd'hui, il est conseiller municipal sur la commune de Moulins, il devait être présent sur sa commune pour la cérémonie. C'est l'adjudant Anthony Mick, qui a réussi également sa formation de chef d'agrès au Tangin. Et par sa fonction, qui devient un compagnon de proximité. Dans notre jardin, nous appelons ça les accros. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est l'ancienne mode de formateur. Voilà. Bravo à lui. Alors, j'appelle l'adjudant Damien Guillaume. Qui se voit également diplômé du chef d'agri du Tangin. Chef d'agri du Tangin et sous-officier de garde également, c'est-à-dire qu'il devient chef de garde. Également réussi sa formation d'engin, conduite d'engin lourd, et il est également spécialiste en conduite hors chemin. Bravo. Alors on se modernise chez les pompiers, on a deux télépilotes, j'appelle le sergent chef Charbier, et il est excusé, c'est adjudant chef Gilles Sébastien, également télépilote. Ben, félicitations. Mais nous avons la charge de nous adapter à des nouvelles réalités. J'ai salué les jeunes sapeurs-pompiers tout à l'heure et sincèrement, c'est un vrai beau travail, un vrai beau partenariat
entre le corps des sapeurs-pompiers, l'implication des formateurs et des gens comme M. Charlier qui s'occupent de leur formation, de tout aussi mon cabinet. Je souhaite à tous et à tous un bon 14 juillet. Nous allons pouvoir continuer à échanger entre nous et avec tout le monde sur ce moment particulier et puis profiter d'un soleil parfois un peu trop radieux.